Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Alors j'ai terminé aujourd'hui mon dernier coloriage que j'avais commencé d'Emmanuel Collin, celui avec la jeune fille avec la petite grenouille sur la tête, voilà. J'ai adoré le faire. Bon, je pensais refaire en deux parties la fin, mais non, j'ai réussi à le faire en une seule fois. Donc j'ai adoré. Et je trouve très très beau, voilà. Alors attention, je vais faire attention à ce que je dis, comment je me tiens. Oh désolé, j'ai pas fait de fil conducteur pour faire ma vidéo. Oui, j'ai pas préparé ma vidéo, vous savez, il faut préparer sa vidéo à l'avance. Et oui, mon Fifi est pas là, donc je ne pourrais pas engueuler Fifi. Oui, j'ai eu des commentaires sur une dernière vidéo. Avec d'une personne qui n'aime pas ma vidéo, je m'en fous, mais alors à un point, elle n'aime pas, et ben casse-toi ma belle, si ça te plaît pas, va voir ailleurs, moi je reste naturelle. Alors il faut, elle voudrait que ma vidéo soit prête, elle voit que ma vidéo n'est pas préparée à l'avance, que je passe 10 minutes à papoter dans ma vidéo juste pour dire que le produit, c'était, vous savez, c'était pour les encres aquarelles d'Action, juste pour dire à la fin que je les aime pas. Donc elle a trouvé ça moche, nul. Juste pour voir que je caressais mon chat et que je l'engueulais. J'engueule mon chat. Oui, pareil que j'engueule mon chat dans les vidéos. Oui, bon. Alors moi, déjà, si j'engueulerais Fifi, hein. Bon, soit. Elle me propose, elle me conseille même d'aller voir une chaîne américaine. Oui, il faut que j'aille voir cette chaîne américaine pour prendre conseil auprès de cette américaine pour mieux faire mes vidéos. Et oui. J'en ai rien à branler, ma fille. Si ça te plaît pas comment je fais mes vidéos, moi je reste nature. Voilà. Je ne prépare jamais mes vidéos à l'avance. Je ne les préparerai jamais à l'avance. Si ça te plaît pas, je m'en fous. Pourquoi tu aurais, si j'ai pas le blabla que j'ai fait pendant 10 minutes au début de la vidéo, te faisait chier déjà au début. Pourquoi t'as attendu jusqu'à la fin pour regarder et me faire un pavé comme ça sur un commentaire? T'avais rien d'autre à foutre chez toi? T'avais pas du ménage? T'avais pas ton homme à t'occuper? T'avais pas du boulot à faire? Eh oui. Mais j'en ai rien à cirer de ton commentaire. Voilà. Et puis de toute façon, t'as rien à dire sur ma fifille, sur mon chat. Mon chat, il est sacré. Mon chat, je ne l'engueule jamais. Ah oui, et puis, elle me conseille également de me moucher avant de faire une vidéo. Oui, il faut que je me mouche avant de faire une vidéo. Parce que je renifle. Voilà, j'ai reniflé. T'es contente? Oh, je vous jure, mais il y a des cons sur Terre. Mais alors, ils n'ont rien, ils ont rien d'autre à foutre que d'emmerder le monde. Moi, je sais pas, une vidéo me plaît pas, et ben, je mets pas de commentaire, c'est tout. Je la regarde même pas jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, c'est tout. J'arrête la vidéo, et puis je passe à une autre. Pourquoi s'infliger de regarder une vidéo jusqu'au bout si ça ne plaît pas? En plus, elle n'avait trouvé que ma vidéo sur ce produit, parce que y a personne n'a fait de vidéo... soi-disant, sur ce produit. Oh. Ben, désolé, hein. Regarde les vidéos de ton américaine, hein, qui ne fait que ça. Si tu parles anglais, bon, ben, tant mieux si tu comprends ce qu'elle dit. Bon, elle se pomponne peut-être, maquillage, tout, un beau décor derrière elle, voilà. Hein, moi, ceux qui font des vidéos comme ça, YouTube, hein, comme si elles étaient à la télé, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, ça va les copines, les copains? Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire maintenant. Hein, elle peut aller se faire en papaouté chez les Grecs.
Ah, ça fait du bien. Je n'ai même pas répondu parce que j'avais pas envie. Je voulais lui répondre dans ma vidéo. C'est mieux. Et puis, de toute façon, je veux pas qu'on dise quelque chose sur ma fifille. Voilà. Et je resterai comme ça, nature. Et je continuerai à faire mes vidéos à l'arrache, comme je fais. Je ne changerai rien. Voilà. Bon. Voilà, ça c'est fait. Non, mais il y a des cons, hein. Pff, que voulez-vous? Ils sont nés pour ça, hein, mais bon. Alors, je disais donc aujourd'hui, vidéo coloriage. Donc, vous allez voir la fin de mon coloriage. Donc, aujourd'hui, j'ai fait les feuilles et j'ai fait le visage et les cheveux. Oui, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, hein, vous voyez, j'ai fait pas mal. Donc, le résultat, je le trouve très bien. Voilà, peut-être que certaines ne le trouveront pas bien, mais moi je le trouve bien. C'est le principal, voilà. Donc je vais vous laisser visionner cette vidéo. Bon, j'espère que je n'ai pas blablaté trop longtemps, hein. Oh, combien? Oh, 6 minutes, c'est long, hein. Mais je m'en fous. Oh. Je vous assure, je rigole toute seule depuis tout à l'heure. J'en avais déjà parlé sur mon Facebook ce matin, mais je rigole toute seule. Enfin, j'ai pas encore effacé son commentaire. Hein. Son commentaire est toujours sur la vidéo. Sur la vidéo, bah, je vous dis des encres aquarelles là, d'action. J'effacerai dans la semaine. Mais bon. Donc je vais vous laisser visionner cette vidéo. Là demain, ce sera peut-être. Alors hier j'ai pas pu vous faire une vidéo parce que j'avais super mal au dos. J'ai trop mal au dos. En plus j'étais au docteur. Alors c'est pareil. Là je vais rechanger de médecin parce que alors déjà il m'a pas ausculté. Je suis arrivée, il me fait. Vous avez votre ancienne ordonnance pour que je vous fasse votre ordonnance du mois? Oui. Voilà. Parce que bon, moi j'ai mon ordonnance tous les mois. Alors avant, il me la faisait tout pour 3 mois. Maintenant, il me la fait tous les mois. Il a peut-être peur de ne pas me voir. Ou alors, il veut des consultations en plus. Je vous expliquerai pourquoi. Et bon, il fait mon ordonnance. Il me fait, bon, à part ça, ça va? Ben non, si je viens voir le docteur, c'est que ça va pas. Enfin, je lui ai pas dit comme ça, mais dans ma tête. Je fais, non, j'ai des douleurs, je ne sais plus marcher, enfin, presque plus marcher, j'ai mal au dos. Il me fait, bon, alors, il m'ausculte pas, il me remet les médicaments, alors il commence à me dire, bon, codéine. Ah, je fais, non, pas codéine. Codéine et morphine, moi, je suis intolérante, je ne peux pas. Il sait, hein, pourtant. Ah bon, d'accord. Alors il remet des médicaments. Là, il ne me dit pas le nom. Donc, dans ma tête, je dis, bon, il ne m'a pas mis de codéine, pas de morphine. C'est bon. J'arrive à la pharmacie. Alors déjà, dans mon ordonnance normale du mois, il avait oublié de me marquer des médicaments. J'arrive à la pharmacie. Il m'a mis des médicaments pour mes douleurs actuelles. Je dis, mais vous pouvez vérifier qu'il m'a pas mis de codéine ou de morphine. Il me dit, si, le médicament qu'il vous a mis, il y a de la morphine. D'accord. Alors du coup, bah, j'ai dit, bon, bah, on va continuer au Doliprane. Hein. Voilà. Oui, il m'a remis du Tramadol. Oui, c'est Tramadol hein, qu'on dit, je ne sais plus. Et ça, c'est un opiacé. Il y a de la morphine dedans. Donc moi, je ne peux pas prendre. Voilà. Donc je vais rechanger de médecin parce que. Voilà. Et oui, ben là où hier il voulait juste sa consultation, hein, comme la dernière fois. Moi je paye pas, je suis à 100%, donc il prend juste ma carte vitale. Et il me fait signer une feuille de soins. Je sais ben la carte vitale elle passe pas. Il me fait si si elle passe. Il dit mais j'ai le droit de prendre une consultation pour le Covid, alors j'en profite, je vous fais signer une feuille. Ah bon, d'accord. Alors il a fait signer une feuille pour le Covid à tous ses patients.
alors qu'il n'a pas parlé du Covid, il ne parlait pas du Covid, il s'est empoché 40 euros en plus de la consultation à tous ses patients de la journée. Voilà, super, hein? Donc là, bon, je vais voir pour rechanger de médecin. Puis... Enfin. Bon, soit, c'était pas le thème du jeu. Le thème du jour, mais bon. Bon, j'avais envie de blablater un petit peu avant. Allez, 10 minutes de blabla. Ouais, ça y est, j'y suis arrivée à mes 10 minutes de blabla. Allez, maintenant, je vais vous laisser visionner la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, comme ça. Ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne dans la recherche de YouTube. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.
Thank you.